Quelques jours après leur nomination, les nouveaux walis et gouverneurs au niveau de l'administration territoriale et de l'administration centrale ont été reçus par le roi Mohamed VI. Effectivement, il s'agit de Mohamed Yacoubi, wali de la région de Rabat Saleh Kenitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Seyd Ahmedouche, wali de la région Casablanca Sittat, gouverneur également de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mihidia, wali de la région Tanger Tétouan Al-Hosseimon, gouverneur de la préfecture Tanger Assila, Abdeslam Bikrat, wali de la région de Layoun Saki Al-Amra, gouverneur de la province de Layoun, Bouchab Yardi, wali de la région de Dra Tafilablet, gouverneur de la province d'Erachidia, Khatib El-Khibil, wali de la région de Benimelel, Renifra, gouverneur également de la province de Benimelel. Le roi a aussi reçu les nouveaux gouverneurs des provinces de Boulman, Medelt, Tinrir, Setat, Medjounan, Saleh et Mohamedia, sur les provinces de Sefrou, Nasser, Larache, Sidi Kassem et Al-Haous ont été également reçus par le souverain, sans oublier bien sûr ceux des préfectures des arrondissements Ben Miskhaï, Hassani. Au cours de cette audience, les walis et les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant le souverain. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Abdelhafid Laftit, et de son ministre délégué, Nourdin Boutayeb. Allah,